Donc, Ciel âme, c'est une des pièces que j'avais écrites pour Edith Scob. Ça s'appelle Solo pour comédienne et pour actrice. Et voilà, c'est aussi ces textes-là musicaux dont je parlais tout à l'heure qui jouent sur des fausses pistes, qui jouent sur. On croit comprendre des choses et puis en fait, c'est pas cela qui. Voilà, ça se succède tout le temps et puis c'est des textes assez courts. Et surtout, ça a une thématique musicale, une thématique de phonème à chaque fois. Et voilà, c'est cette partie-là de mon travail sur les textes, quoi. Oui. Cinq petites pièces pour clavecin, c'était une époque où j'étais complètement fou avec les suites de Handel. J'écoutais ça tout le temps. Et je voulais trouver cette intimité-là. C'est une série, c'est comme une suite en fait. Une série de pièces comme ça. Très, très, très difficile pour arriver à trouver tout ce langage-là que je détournais en fait, le langage baroque avec les appoggiatures, avec les mordants. Voilà. Ces cinq pièces qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui. C'est comme une suite d'Handel, quoi. Enfin, c'était ça, mon guide. Proverbe. Si l'âme rulardie, elle flammue, liée l'âme, bure l'art cru, ar bru flamiel, l'art cru brûla, oriflamme, à cielu, art brûlot.